est Denis Bluteau. Je suis originaire de la baie au Saguenay et je suis flûtiste à l'OSM depuis 29 ans. Donc, c'est très important d'avoir une bonne position à la flûte, puis vraiment de penser à nos quatre points d'appui. Alors, c'est quoi les quatre points d'appui? C'est le petit doigt de la main droite, le pouce de la main droite, le pouce de la main gauche et notre menton. Alors, on ne veut surtout pas avoir aussi la flûte trop vers le haut ou trop vers le bas, une position naturelle avec les épaules dégagées. C'est très important aussi que notre patte de dos ou la patte de scie ici, elle soit bien enlignée, la tige bien enlignée avec le centre de la clé ici. Sinon, ça cause des problèmes avec la main droite. Faut jamais oublier que ce n'est pas naturel cette position-là, donc on peut vraiment se blesser si on se positionne pas bien avec l'instrument. Jamais mettre trop de pression vers le menton aussi. On veut bien balancer, donc que nos quatre points d'appui fassent le travail d'une bonne façon pour que tout, en fait, pour que tout soit bien balancé, puis pas créer de tension nulle part. La flûte, c'est un tuyau. Alors, c'est exactement le même principe que de souffler dans une bouteille vide. Plus la bouteille est grande ou grosse, plus le son va être grave. Plus la bouteille est petite, plus le son va être aigu. Alors, si je souffle dans l'instrument, sur une note grave. Alors ça, c'est la note la plus grave de la flûte. Maintenant, si je prends seulement l'embouchure et je souffle dans l'embouchure, le tuyau est beaucoup plus petit, donc le son est plus aigu. Ça, c'est le même principe avec l'instrument pour bien utiliser notre colonne d'air, parce que quand on souffle dans la flûte, on utilise notre air, la colonne d'air qui part ici du diaphragme, qui nous permet de faire les sons aigus et les sons graves. Maintenant, c'est très important aussi de penser que pour faire les sons plus graves, notre colonne d'air, notre point d'appui est un petit peu plus bas et la pression d'air, ça c'est toujours constant. La pression d'air est moins intense que si je vais faire des sons aigus. Alors, un son plus grave. Si je fais un son plus aigu maintenant, je vais monter un petit peu mon point d'appui, plus central, et c'est très important d'envoyer l'air plus vite pour permettre au son de résonner plus haut. Toujours en contrôlant d'ici avec ce qu'on appelle notre colonne d'air et la vitesse d'air. Puis, c'est très important quand je vous parlais de la position, de la vitesse d'air, de la pression d'air, que tous les éléments soient en place pour, en fait, vous permettre d'avoir un bien meilleur résultat sur l'instrument. Comme pièce, j'aimerais vous proposer la sonate numéro 2 en ré mineur de Michel Blavet. Il n'y a pas de grand saut d'octave dans cette pièce, donc au niveau des intervalles, c'est un peu plus facile, ça se fait bien. Il y a quand même des tris à faire. Alors, les tris, exemple. Mais laissez-vous pas décourager par ça, vous pouvez facilement travailler la pièce sans faire les tris et il n'y a pas de problème, et les ajouter au fur et à mesure que vous êtes confortable. Marquant de mon parcours musical, en fait, c'est avant que je commence à faire de la musique, avant d'entrer au secondaire, on avait une présentation de l'harmonie scolaire de la polyvalente de la baie, d'où je viens. Donc, ils incitaient les jeunes à venir au concert pour nous permettre de choisir, en fait, nous inciter à prendre l'option musique. Je me souviens encore, il y avait 75 musiciens, je me souviens de la pièce qu'ils avaient jouée, ça s'appelait « The Original 13 ». Ça commençait avec les flûtes. Donc, c'était évident pour moi que je voulais jouer de la flûte. J'ai choisi l'option musique et puis j'ai fait de l'harmonie tout mon secondaire. La première année, je n'ai pas pu faire de la flûte parce qu'il y avait trop de gens qui demandaient la flûte. Donc, j'ai fait de la clarinette pendant un an. J'ai aimé ça aussi, mais vraiment, à partir de la deuxième année, mon père m'a acheté une flûte. Puis, depuis ce temps-là que je joue de la flûte, je me souviens encore de toutes les répétitions qui étaient le mardi soir quand je revenais à la maison. J'étais tellement excité, j'avais toute cette musique-là en tête que j'avais de la misère à m'endormir, en fait, pour une partie de la nuit. Puis ça, c'est des moments extraordinaires, des souvenirs extraordinaires.
Alors, un grand problème de la flûte, c'est vraiment de bien contrôler la justesse à travers les différentes nuances. On peut facilement, à la flûte, être trop haut si on joue trop fort, ou si on ne souffle pas assez, être trop bas dans le grave, trop haut dans l'aigu. Alors, je vais vous montrer un exemple, ce qui arrive souvent. Alors, vous voyez, le son fluctue beaucoup, donc c'est trop haut, beaucoup trop bas quand j'essaie de jouer piano. Maintenant, le seul moyen de bien contrôler ça, c'est vraiment avec votre colonne d'air et la vitesse d'air. Donc, c'est ça qui va faire toute la différence. Alors, si je refais la même chose, alors ici, je joue plus fort. Maintenant, mon soutien est un petit peu plus bas, mon point d'appui. L'air rapide, mais si je veux donner encore plus de volume à mon sol, je vais détendre les lèvres et je vais garder ça bien bas. Maintenant, si je veux partir de mon sol, le faire forte, ensuite le diminuer vers le piano, c'est l'effet yo-yo qu'on appelle avec le soutien, où je vais remonter mon point d'appui un peu et je vais envoyer l'air plus vite. Je vais refermer un petit peu les lèvres aussi pour plus de contrôle. Ça, c'est vraiment un principe que vous pouvez appliquer à tous les registres de la flûte. Donc, si on veut jouer plus fort, on garde le soutien plus bas, on détend les lèvres. On détend la mâchoire aussi. Si on veut jouer plus doux, le soutien est un peu plus haut, on projette l'air plus vite et on ferme les lèvres. Ça, c'est un outil indispensable pour arriver à mieux contrôler votre intonation sur l'instrument. Comme suggestion de pièce, j'aimerais vous proposer l'andante en Do majeur de Mozart, ce qui va vous permettre de travailler justement la continuité entre les notes et le legato en l'instrument. Bonne pratique.